Bonjour à tous, c'est Gabin et Lily. On espère que vous allez bien. Que c'est en fin aujourd'hui. Alors aujourd'hui Gabin, je pense que ça se voit, on se retrouve devant le bureau Vallée de Saint-Priest-en-Jarret. Et aujourd'hui les amis, on va faire une vidéo que vous attendez tous. Le Back to School. Back to School, voilà. Et du coup j'ai ma petite liste. Les amis, l'année dernière vous avez aidé énormément à me dire: Gabin, pourquoi t'as pas fait ton Back to School? J'ai dit vous inquiétez pas, l'année prochaine je le fais. Cette année je vais faire mon Back to School avec Lily à Bureau Vallée à Saint-Priest-en-Jarret. Nous allons prendre un chariot, nous munir de notre liste de courses, bon, moi j'en ai pas, mais de notre liste de fournitures scolaires. Et c'est parti quoi. On est parti. Bonjour. Vous allez bien? Bah, nous allons très bien. Les amis, on tient quand même à préciser, on porte pas les masques parce que nous sommes tout seuls dans le magasin, nous sommes pendant la fermeture. Et là, je vous laisse parce que moi je vais faire mon Back to School sur ma chaîne. Je vous laisse avec Lily. Si vous voulez le retrouver, c'est sur iGab, elle s'affichera en énorme. Des bisous. Du coup, on est parti. Donc alors les amis, on va commencer par les stylos. Du coup, tous les stylos, c'est là-bas, suivez-moi. Et là du coup on a tous les stylos, billes, encre, tout ce que vous voulez, les surligneurs et tout. Et vraiment là il y a un choix incroyable. Il y a toutes les couleurs et ça c'est génial. Du coup moi je me dirige vers les frictions. Vraiment il y a des couleurs trop trop belles. Genre vraiment du violet, du rose. Oh my god, trop trop beau. Du coup je vais faire mon petit choix. J'ai pas de rouge. Bleu. Oh là là, elles sont trop belles. Oh là, là maintenant, là, je suis fournie. C'est parti. On va juste aller prendre les recharges et après ce sera bon. Les amis, je prends quand même les 4 classiques, des stylos bi parce que c'est toujours bien au brouillon. Du coup, après, des crayons de couleur. Je sais où c'est, mec, moi. Non, bah non, c'est pas. Laisse mon chariot là et venez voir. C'est juste ici, donc alors là. Alors là, vraiment, c'est... Oh, il est super coloré, c'est rayon, c'est magnifique. Du coup, alors moi, j'ai repéré quelques petites choses. Donc, j'ai vu... Oula, attends, je sais pas si je vais être assez grande. Hein. Attendez, voilà. Donc, des feutres pastels, ils sont juste trop beaux. Et avec ça, il y a les crayons de couleur, les amis, qui sont juste ici. Ils sont trop beaux. Alors ça, si c'est pas magnifique... C'est trop trop beau, je reviens pas. Et à côté, je vais quand même prendre les couleurs basiques parce que s'ils me demandent un vert foncé, je suis là. Ah, j'y connais pastel. Voilà, je vais prendre ça. Avec, avec des couleurs aussi basiques, ceux-là. Écoutez, là, je suis fournie, là. Les amis, on est parti pour aller chercher le taille crayon. Lilith, faut pas des crayons papier pendant qu'on est là? Ah bah si, si, bien sûr que si, il me faut des crayons de papier. Et alors ce qui est génial ici, c'est que vraiment, en fait, ils mettent tous les crayons en vrac. Je pense que vous l'avez vu, j'ai pu les choisir comme ça à l'unité, en plus c'est ça qui est cool. C'est-à-dire qu'en fait, ils mettent en vrac déjà pour limiter les emballages. Et ça vraiment, ça c'est génial. C'est pour moi qui dis tout le temps, mes pauvres tortues. Vraiment, là je suis très contente parce que mes tortues, elles vont être contentes aussi. Et du coup vraiment ce qui est cool c'est qu'on peut se servir à l'unité. Et ça c'est vraiment le deuxième point qui est vraiment cool. Oh regarde maman, il y a des crayons comme ça, très colorés, j'aime beaucoup. Alors il me faut un 2H. Donc alors un 2H, je vais prendre un crayon comme ceci. Je vais prendre, il me faut un 4H. Il me faut un 4B et il me faut un HB. Ouais, classique. Et je pense que là je vais m'en prendre deux parce que alors ça. Oui, c'est ce qu'on utilise. Ça, le plus. Il en faut. Ça, c'est écrit dans ma liste commune. Il me faut une gomme bicolore en art plastique aussi. Elle est toute mignonne. Une gomme normale. Écoutez, les amis, on part sur une gomme comme ça. Au niveau des tailles crayons, en vrai, je pense on va prendre du simple. Hein. Écoutez, on va prendre ça. Un petit taille crayon. Donc, ça, c'est nickel. De la colle blanche. Et des ciseaux. Là, nous sommes devant. T'as les ciseaux, t'as la colle de l'autre côté. Et alors, je pense qu'alors, vraiment, c'est là, ils sont trop beaux. Et alors, il y a en bleu. T'es donc... vraiment dans les tons pastels, là. Ah bah, attendez, là, c'est là, mon année de 4e, je vais la faire dans les tons pastels. Hein. Donc, je vais prendre... J'enlève tout le magasin. Je vais prendre en turquoise, comme ceci. Il me faut un kit de traçage incassable. Ouh là là. Bon, là, ça, c'est très bien, hein. J'avais déjà ça l'année dernière. Voilà, c'est magnifique. Rapporteur. Et il me faut aussi un compas. Donc comme compas, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre celui-là. Oui. Attends, moi je suis trop petite. Voilà. Il est orange, il est très beau. Et derrière, j'ai la colle. Donc alors là, vraiment.
Regardez-moi ça. Il y a tout un pack de plein de colle. Et ça, c'est génial. C'est vrai qu'on en utilise beaucoup de la colle. Et en vrai, je pense que les amis, comme il y a tout le monde qui s'en sert dans la famille, pour les cours, pour la vie quotidienne en fait, je pense que je vais prendre un pack. Et même un pack de grosses colles parce que ce sera peut-être un peu plus pratique. Et surtout que les amis, ici, les prix sont raisonnables. Et ça, je trouve ça génial. Bon, bah, continuons notre petite liste. Alors, il me faut des surligneurs. Alors là, je crois que j'attendais, c'est parti. Donc là, regardez déjà. J'aime ça. Il y a tout un endroit là. C'est trop joli, ça fait arc-en-ciel. C'est trop beau. Wow. Alors là. Mon Dieu. Il y a tout ça là, tout ça. Alors, juste un gros truc que vous pouvez voir sur l'écran. Je pense que je vais prendre ça directement. Oh, 23 couleurs avec là, un petit support. Je peux pas en avoir plus là, alors là. Oh. Et pour partir en voyage, eh ben, je pense que je vais prendre, parce que Frichon ont sorti aussi des surligneurs effaçables. Si ça, c'est pas génial. Du coup, je vais prendre un bleu, un rose, un violet et un vert. C'est les J'aime bien le doré un petit peu aussi. C'est là. Un jaune. C'est un jaune doré en fait. Ils sont trop beaux. Bah au pire, moi, je les prends, on se les partage. D'accord, ok. Ok, nickel. Et mais moi, je vais faire mon back to school aussi, Lily. Hein. Oui, c'est vrai que toi aussi, tu vas sortir ton petit back to school là. Oui. Maman, elle va être toute contente de faire son petit back to school. Donc en français, j'ai besoin d'un cahier grand carreau, 24 par 32, 192 pages, polygros bleu. Ah, et ben, comparé à l'année dernière, c'est bien plus coloré déjà parce qu'elle a... Donc alors, il me faut un bleu. Ah là là, c'est déjà beaucoup plus coloré. Hein. Un rose. Après, un incolore. Donc, les incolores, c'est ça. Parfait. Un jaune, un bleu. Ça, là. Pourquoi pas, attends, c'est pour quelle matière? Pour l'espagnol, pourquoi pas. Un bleu, un jaune. Plutôt pas un orange? Je les trouve trop beaux. Et ben, s'il m'en faut un d'orange. Mais écoutez, non, mais cette année, c'est du coloré là. Oh, je suis trop contente. Et après, donc, un deuxième bleu, j'ai pris un rouge. Oh là là, mais on fait toutes les couleurs balcanciennes, il manque plus que le violet. Ah bah, c'est plus coloré que l'année dernière, ouais, c'est sympa. Tiens, l'année dernière, j'étais que dans le incolore noir-gris. Ouais, c'est vrai, c'était tristounet. Et bah, après, on va partir chercher les classeurs. Ok, du coup, là, les amis, là, si ça, c'est pas trop beau, alors vraiment, ils sont magnifiques. Là, il y a des souples de trop belles couleurs. Je vais quand même aller voir là-bas pour voir. Ah ouais, alors là... Il y a le choix, hein. Alors là... Un mur de classeur entier. On peut pas dire qu'il n'y a pas le choix. Là, oh là là là. Alors juste avant, je pense que je vais prendre un petit classeur rose comme ça. Bah déjà, il est très beau. Et parce que déjà pour ranger mes cours de 5e, c'est vrai que c'est toujours un petit peu mieux. Du coup, je pense que je vais prendre celui-là. Il est trop beau, hein. Autrement, t'as des plus gros, Lily, hein. Ouais, attends, si tu veux ranger plus de choses ici, regarde Lily. Il est plus gros celui-ci. Ouais. Waouh, il est beau, hein. Bah écoute, c'est nickel. Continuons. Alors, du coup, pour ces classeurs, il m'en faut 3. Un bleu, un rouge, un vert, grand format et souple. Et je pense que je vais prendre ceux-là parce qu'alors vraiment, je vais prendre celui-là. Oula, je vais prendre celui-là. Et je vais prendre celui-là. Non mais alors, c'est vrai qu'ils sont vraiment beaux. Ils sont trop beaux. Oh, voilà. Après, il nous faut des intercalaires. Et bah écoutez, on va aller voir intercalaires et les porte-vues. Alors, les intercalaires. Du coup, je vais prendre donc 12 et 12 intercalaires. Donc de plein de couleurs différentes. Et ça, c'est cool. Moi, je suis très colorée cette année et heureusement, parce que alors, vraiment, l'année dernière, je commence à avoir un petit peu marre de mes couleurs toutes tristes, là. Après, il me faut porte-vue 40 pages bleues. C'est ça. Oh là là, le choix qu'il y a, c'est... Oula. Ah oui. Ouah, c'est ouf. Alors, attendez, 40 vues. Oh, regarde, là, il y en a même des porte-vues comme ça, avec des spirales. Ah non, c'est des trieurs. Mais d'ailleurs, il me faut un trieur parce que pour les feuilles de classeurs et ça, dès que j'en ai plus dans mes classeurs et que je sais pas où aller pour en prendre, c'est pas pratique. Donc, moi je suis jamais organisée et comme je vous l'ai dit dans une des précédentes vidéos, il faudrait que je sois organisée pour une fois. Bah, écoute, t'as 12 compartiments. Là, t'as 6 compartiments. En vrai, je pense que 6 c'est pas mal. Hein. 6 c'est bleu, c'est magnifique. Après, ah oui, là, les clés USB, il m'en faut une en technologie, je crois. Et regardez. Ah, c'est trop mignon. Ça, c'est trop mignon.
Et là, il y a un petit cochon. C'est soit je reste dans le sérieux et j'en prends une vraie, quoi. Ouais, soit du basique, soit du rigolo. Soit du regarde, rigolo. Regarde, il y en a des néons, là. Elles sont belles. Ouais. Et en plus, on voit tout à l'intérieur. Ouais, c'est sympa. En vrai, on a trois. Toi, t'en auras sûrement besoin. Ouais. Avec le travail, donc pourquoi pas ça, hein. Allez, c'est super. Pratique. Et du coup, t'as pas pris ton porte-vue, oui, Lily. Mais non, attends, c'est 40 vues. Donc ah, 40 regarde, vues. Là aussi, il y a des pastels. Oh, ils sont trop beaux. Faudra sortir avec toi. Attends, je vais prendre le rose pastel. Donc 40 vues. Non, c'est vrai, c'est bleu. Moi, je prends un rose. Ah mince, il faut un bleu. Il me faut un bleu. Bon bah écoute, c'est bleu hein. C'est bleu. On peut rien dire. C'est bleu, mais turquoise et pastel. Donc il me faut des cahiers de brouillon et des fiches Bristol en A5. Les fiches Bristol, je les ai vues tout à l'heure. Ouais, ouais, ouais. Là-bas. Alors par contre, il y a un choix encore ouf avec les fiches Bristol. Toutes les petits cahiers pour écrire. Et ça, vraiment, c'est ouf. Et Lily, regarde les petits dictionnaires. Oh, toi, t'aimes bien les petits dictionnaires? J'adore les petits dictionnaires, surtout en anglais. Et on va en Espagne cet été, donc... Ça va, en anglais et en espagnol? Ouais, grave, hein. Bon, c'est pas sur liste, mais ça t'aime bien, toi. J'aime bien, en vrai, c'est pratique. Alors là, on a les cartouches, donc de friction. Ah oui. Donc je vais prendre les couleurs un petit peu pastel. Les couleurs classiques. Et je vais prendre le bleu, pour au moins gamin, s'il en a un peu besoin aussi. Parce que le bleu, on a tout le temps besoin. Là, on a tous les agendas à côté. Yes. Des fiches Bristol A5. Bah là, hein, classique. Blanc, oui, mais hein. Attends, il y a des petits... Voilà, ça. Ah oui, tu vois, bah, ça, oui, voilà. Oui, sans carreaux, en fait, unis. Eh ben, nickel, okay. Hein. Un classeur grand format noir. On était déjà dans les classeurs. Ah bah alors ça, c'est vraiment du basique, hein. Ouais, ouais, c'est en techno. Normalement, il faut garder celui de l'année dernière, sauf que le mien, il est un petit peu cassé. T'as pas besoin de peinture, Lily? Alors, je pense pas. Non, c'est pas sur ta liste? Non. D'accord. Quoique si, il me demande de la gouache. Ah oui, voilà, les quatre couleurs primaires. Si, bah oui, oui, pour... ouais, ouais. Regarde, Cléopâtre. Tu prends celle-ci? Il me demande 5 tubes de gouache. Moi, j'en passe une jaune, noir voilà. Et blanc. Parfait. Et nickel. Des pinceaux? Des pinceaux, probablement, on l'a aussi. Oui, qu'est-ce que tu fais sur ma vidéo, toi? Non. T'as fini, toi, Gala? Ah, bah moi, presque, les amis. Moi, j'ai mon chariot là-bas. Rendez-vous sur ma chaîne, je vous le redis encore une fois. Bon, du coup. Moi, il me faut pinceau brosse 14, pinceau... Oula. Alors, 14, pinceau regarde, brosse facile. 14. C'est très bien indiqué, 14. Après, il y a 14 ici aussi. Mais ça, c'est pas un pinceau brosse, Lily. Hein. Les brosses 14, c'est ceux-là. Ah, voilà. Voilà. Brosse 14. Oh, okay. Un pinceau bourron 8. 8, donc... Ouais. C'est ça. Oh, c'est tout mignon. et un ruban adhésif, un chiffon, enfin bon, bref. Ah, bah, ruban adhésif, c'est pas là. Ouais. C'est derrière. Ok, donc le ruban adhésif, c'est dans cette allée. Non, c'est pas... C'est pas là. C'est derrière. Ah, c'est là. Du coup, c'est juste ici. Ah, les post-it aussi. Je pense que ça, j'en aurais besoin. Ceux-là, en vrai, ils sont pastels. Donc, ils sont sympas. Je prends des pastels. Alors, en fait, on n'était pas du tout là pour ça. Donc, pour le ruban adhésif, je vais prendre celui-là. Ah, sympa, ouais. Tac. Avec le petit dévidoir, là, comme ça. Ouais, ouais, nickel. Et les amis, aussi, ce qui est génial ici, c'est que, regarde... Nous couvrons vos livres, c'est que ils couvrent avec cette machine là nos livres, ils mettent le petit plastique dessus et au moins c'est nickel. Exactement, parce qu'en fait les amis, chaque année nos parents ça les saoule de couvrir 25 fois nos livres d'histoire, de français, de maths, de sciences, de tout ça. Vous venez ici et ils vous couvrent vos livres. C'est pas génial, c'est incroyable. Du coup les amis, mon classeur noir je vais aller chercher. Après il me faut des cahiers de brouillon. Alors ça par contre, ça j'en ai pas vu, mais là je vois que... Là on va demander, viens si tu veux. Donc blanc, forcément, on a toujours besoin. Attends, les cahiers de brouillon. Bah écoutez, on va demander où sont les cahiers de brouillon. Excusez-moi. Oui. Les cahiers de brouillon, ils se situent où? Alors sous les cahiers. Venez voir. 48 pages, 96 pages. Merci beaucoup. De quoi? Très gentil, ce service client. En fait, il y a là. Tous ces cahiers aussi qu'on n'avait pas vu tout à l'heure. Et ben, il y a vraiment du choix là. Dis donc. Bon, écoutez, je vais en prendre deux parce qu'il m'en manque deux. Ok. Moi, là, j'ai fini de prendre ce qui restait. C'était juste des feuilles de classeur. Mais t'as trouvé un petit support pour ta liste? Mais c'est le monsieur qui m'a donné. Ah, mais ça, c'est trop souvenir. Bien. C'est très gentil. C'est ce qui fait toute la différence avec les grandes surfaces. Ils sont super gentils. C'est vraiment. Normalement, j'ai tout. Il me reste juste les pochettes transparentes. Tout droit. Tout droit. À gauche ou à droite? Tout droit.
À gauche, on va tout droit. Un petit peu à droite. C'est où le à droite? Encore à droite. Là? Voilà. Oui. Okay. Gauche toute. Gauche toute ici là? Oui. Faut prévenir avant. Et on y est. Ok. Gabin, il a pris celle-ci. Hop. Mais écoute, je pense que je vais prendre les mêmes. Hein. Il y en a 50, donc il faut que j'en prenne 3. Et ben écoutez, les amis, je peux surligner la dernière chose. Commun. J'ai tout surligné. C'est fini? J'ai fini. Faut être fier de moi. Les amis, en fait, je viens de me rappeler, j'ai pas fini. Il me reste trousse, cartable et agenda. Au niveau de l'agenda, je pense que je vais prendre un qui est juste ici. Je pense que celui-là, il est pas mal, il est simple. Hein. Ouais, il est 2021-2022. Bah, normal. Classique. Choix, hein. C'est génial. J'ai oublié de prendre un 4 couleurs aussi. Mais écoutez, il y a aussi plein de choix sur les 4 couleurs. Mais moi, je prends le basique. Et les cartables, juste en face de toi, Lily. Et les cartables et les trousses, c'est juste en face. T'as un mur entier de cartables. Hein. Waouh, ah ouais, ouais. Comme j'aime bien le mien, je pense que je vais pas en prendre pour cette fois-ci. Parce que je pense le garder quand même pour l'année prochaine. Mais en vrai, au niveau des trousses. Ah, c'est des trousses qui Genre vraiment, elles sont trop belles. Là, ils ont sorti des trousses. Oh my god, elles sont colorées. Regardez-moi ce bleu. Le vert, j'adore beau. La verte. Ouais, la verte, ouais, elle est belle. Ah, j'hésite, je pense que je vais prendre celle-ci qui est très très belle. Et je vais prendre aussi la rose, qui est très très belle aussi. C'est des couleurs qui pètent, qui sont magnifiques. Du coup, les amis, on va rejoindre Gabin. Bah, regarde, en fait, il était de l'autre côté, Gabin. De l'autre côté. Waouh, oh, il est trop beau. Simple, blanc. Il est trop beau. Oh, en plus, ça irait trop bien avec mes trousses. Bah, en fait, je voulais pas prendre de cartable, mais je crois qu'il va craquer là quand même. Ah, mais blanc, mais c'est trop beau. Genre, vraiment. C'est pas tout blanc, super c'est sympa. C'est uni, c'est magnifique. Bon, bah écoutez. Et c'est bien. Je crois que tous les deux, on a fini notre louste. On a fini notre louste de course. Notre liste ? Si vous êtes des flemmards, vous pouvez amener votre liste de fournitures scolaires à un membre du bureau Valais et il peut vous faire votre, toutes vos courses. Toute votre course de fournitures scolaires. Et vous venez chercher quand vous voulez. Voilà. Et vous dites, je viens chercher demain. Et comme ça, le lendemain, vous revenez. Vous avez fait bronzette l'après-midi. Et voilà, et il vous aura fait vos courses. Vos courses sont toutes faites. Donc voilà, un énorme merci du coup à Bureau Valais de nous avoir accueillis. L'adresse de ce Bureau Valais sera aussi dans la description. Si vous voulez venir dans le même Bureau Valais que Gabin et Lily, ça sera possible. Si vous voulez retrouver ma vidéo, ou moi je le fais en 10 minutes, ça sera, je vais dire ici, mais non, ça sera sur ma chaîne. La vidéo sera en description. Et la vidéo de maman aussi sera dans la description. Donc écoutez, on espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, c'est le cas, n'hésitez pas à partager avec les autres. Vous abonner. À très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde. Et maintenant, Lily, c'est à mon tour. Ouais, c'est à ton tour de faire ton petit back to school. Ton petit back to school. J'avais perdu le mot.